Bonjour à tous, bonjour à tous, c'est Azertiran, As pour les intimes, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien, on se retrouve aujourd'hui, bonne année, voilà, hein, voilà, bonne année, ça s'est passé, ça s'est fait, j'espère que les fêtes se sont bien passées, etc. On s'en fout, aujourd'hui on se retrouve pour la suite de Grundy, toujours en coop avec Sulfury, bonjour. Bonjour. Bonne année, as-tu passé une bonne année? Oui, bien sûr, oui. C'était bien, tu as bien mangé? Oh, moult mets délicieux, Bien n'est-ce pas? sûr, c'est ça qu'on aime, on trouve ça délicieux, on trouve ça savoureux. On se retrouve pour la suite de Grundy, voilà, on a commencé le lancement de la série, j'espère que ça vous plaît, ça fait plaisir, en tout cas moi ça me plaît, c'est bien là l'essentiel. On a encore farmé, on s'est encore fait plein de stuff, regardez, j'ai une tête, j'ai des cornes, voilà, j'ai des cornes, je suis cocu comme jamais, je suis magnifique. Toi t'as pas trop changé sur ton stuff? Ah Si, si. attendez, attendez, je suis un mage Ah oui, maintenant. c'est vrai, je sais plus si on l'avait montré en épisode ça. Mais t'as ça, ah Non. t'es pas mal, t'es pas Eh mal, oui. c'est pas dégueu ça, je sais pas si c'est très utile. Je m'appelle Glandalf. Bah, C'est on verra mignon, bien. c'est mignon Glandalf, c'est très très mignon. Ah oui c'est Je ça, fais de la magie. tu tires de la glace parce qu'on peut se faire maintenant des cubes acidulés, salés, mentholés, épicés. Et tout ça servent, mon devoir fabriqué, ça sert à faire des armes qui sont ouf. Ah c'est des armes de tir à distance. Ah oui, c'est ça, bâton acidulé. Ah oui, je crois que c'est celui que je voulais faire parce que ça a l'air d'être le plus puissant. Mais pour ça, il faut des mousses de la mare. Ah ouais, c'est Oui, ça, c'est. possiblement. Ah oui, c'est largement le plus puissant. Ouais, d'accord. Mais bon, pour l'instant, on a ce qu'il faut. Moi, j'ai ma bonne vieille arbalète là, à bœuf, qui est très puissante, qui est très sympathique. Bon, qu'est-ce qu'on fait dans cet épisode, Eh cher Jean bien, Schtroumpf là? Oula. le but est de se diriger vers la récupération de la dernière grosse puce de Burgle. La fameuse. Et donc, il va falloir retourner vers le haut là-bas. Là-bas et vivre moult Ah péripéties, bah, c'est ça? vous avez vu certaines mythes, certaines termites. Certaines termites. Eh bien écoute, allons-y, je pense qu'on va emprunter, attention petit saut, magnifique. On va emprunter l'escalier de la mort et de l'amour, hein, l'escalier du plaisir, l'escalier de l'émotion, l'escalier des ténèbres qui est là-bas. Qui a plein de noms différents, très très étonnant pour un escalier, mais. Et ça c'est. C'est les noms donnés au cours des différents âges. Aïe, c'est ça, c'est ça. Qu'est-ce qu'il veut, lui, là? Oh non, ça fait. Oh, eux, je crois que ce qui leur fait mal, c'est les lances et les trucs qui transpercent. Parce que là, mon gros gourdin bien amélioré, ça fait pas très mal. Bien, je m'en vais les titiller au stylet. Voilà, après, on n'est même pas Fabriqués objectif. avec leur propre le corps de leurs propres camarades d'ailleurs. De leur Pardon, camarade pardon. féroce, là, de leur camarade tigre. Ouais. Exactement. Voilà, ça c'est mort. Bon, parfait, traversons sans plus attendre. Hop, allons-y. Ça va être bien, ça va être formidable. La reprise de Grundy après un mois et demi à peu près d'arrêt, hein, je pense. Tant que ça. Je pense, hein, parce que. Ah, peut-être pas en fait. Non, peut-être pas. Un Oui, mois, on je veux va dire, dire un mois. sinon un mois et demi, je n'aurais pas survécu un mois et demi sans M vous. moi non plus. Moi non plus aujourd'hui. Il y a une vraie, grâce à Grundy, une vraie histoire d'amour qui s'est créée entre Sudfury et moi. Et maintenant, à vrai dire, on partage même nos slips. Donc, Ouais. c'est lui, il le met lundi, moi le mardi. Des fois, moi je mets aussi le mercredi, comme ça, lui il met le jeudi, vendredi. Enfin, bref. Plein d'histoires formidables. Des histoires classiques de couple, finalement, hein. Sûr. Quel couple ne partage pas ses sous-vêtements? Bah, aucun. Je pense que le couple présidentiel a des survêtements individuels. Je Ah, pense tu qu'ils ont penses? le. Oui. Ah, je sais pas. Faudra, je l'appellerai à la fin de cet Non, mais épisode. ils ont les moyens. Oh, c'est vrai, ils ont les moyens. Nous, moi, j'ai pas les moyens. Moi, je. Tu viens? Il est où le garçon? Ah, il est Désolé, là-bas. oui. Tu te fais poursuivre par Jean Moustique là. Allez, hop, dans le gosier là. Il est où? Oh, il arrive. Tiens, dans la gueule. Oh, il repart. Il est vexé. Tiens, mais il s'est pété la gueule celui-là. Allez, hop, ça dégage. Ah, il est pas mort. Il va me faire chahuter. Ah non, il est mort. Paf! Bien Oh, je vous ai joué. sauvé la vie. Bien joué. Puis le moment où j'allais tomber, t'as eu de merde. Ça fait plaisir. Qui c'est qui bzz, bzz, bzz. Ah! Pardon, j'ai eu peur. Mais c'est en fait Une c'est abeille. une abeille. Très Mais qui c'est mignonne. le fou? Je sais Oui, pas. mais. Elle vit la meilleure Mais. des vies. Oh, si elle passe dans mon giron, je vous assure qu'elle va se prendre un Un sort de givre là. bon coup en Elle. travers les deux yeux là. Tiens, je t'invite à Suis magicien maintenant. t'as activé le petit lit mignon de l'amour? Ah! Noé. Non. Et voilà. Voilà. Oh, Activons-le. une petite Essayons couche de. nuptiale. Ah oui. Essayons de grimper en haut de cette chaise
Colonel, là on aime la chaise. On a... Oh, il y a un machin, il y a une machine chose. Ah oui, on est dans la zone du haut maintenant, si vous regardez la carte. La zone du haut, la zone de la difficulté, la zone de l'agression, la zone de 39-45. Putain, ça se... Ben, elle va prendre pour toutes les autres. Oh, le bâton contre elle, c'est la mort d'elle. Hein. Ah oui. Ça fait très très bobo. Qui c'est qui? Mais tu vas manger, t'es mort! Voilà. Bien joué ça. Comment qu'on monte dans ce bordel? Peut-être avec les plantes? Oh, il y a un anus. Oh, j'ai des bombes, regarde. J'ai pensé aux bombes. Oh! Tu es prêt? Bonjour. Je lâche. Allez-y. Qu'est-ce que ça va être? Faites vos paris. Watch! Je ne sais pas du tout ce que ça va être. C'est. Alors, qu'est-ce que. De la lumière, qu'est-ce que c'est que ça? Les ténèbres me font pas peur. Ah, une merde, mais qui nous fait tomber. Bah écoute, tombons en fait. Vas-y, YOLO. J'aime pas trop ce que je vois. Vous allez rire. Qu'est-ce que c'est? Vous allez rire, mon cher tyran. Qu'est-ce que c'est? C'est... Oh non, pas encore une veuve noire. On en a déjà affronté une en off. Bon, alors... Au moins, on va plus s'empoisonner maintenant. Plus s'empoisonner, en revanche, alors... Parce que j'avais plus l'aggro. J'avais un casque qui empoisonnait tout le monde en fait, mais lui y compris. Aïe! Mais bobo! Mais gros bobo! J'arrive! Ouais, c'est bon. Gros bobo fesses! Ah bah! Ah, alors là par contre. Là ça va être compliqué. J'avais pas prévu de me faire une veuve noire à 5 minutes, hein. Bah écoute, on te regarde, t'es beau, hein. Ah non, tiens, pendant que tu la tiens, je vais crever et je reviens. D'accord. Bon bah je vous donne des précisions sur l'état d'avancement de mon décès. Vas-y, essaye de tenir un peu. Dis-toi que je suis qu'on est relativement près. Oui, ça va. Enfin ça va. Je sais plus où c'est, mais ça va. Ça va bien se passer. Ah oui, on était monté là-bas. Ça se passe plutôt bien pour un début d'épisode. Oui. J'arrive. Totalement prévu. Je suis là dans 20 secondes, 10 secondes, 7 secondes, quelques secondes. En fait, tout irait très bien si je me faisais pas péter la gueule par les toutes petites araignées. Elles sont pénibles, hein. C'est terrible. Elles ont du poil là où il faut. Alors, bon. Je vais me prendre un petit comme ça. Oh, elle a tellement de vie. Aïe. Ah, l'électricité. Allez. Ah, c'est bien, on a l'électricité tous les deux là. On a notre contrat EDF, ça fait plaisir. Ah, elle est assommée. Vite. Ah, je suis en mauvaise posture. À cause des petites, je crois. Aïe. Oui, aïe. Mais vous avez... Est-ce que vous avez toujours une armure lourde? Ouais, plus ou moins. Enfin, j'ai pas toutes mes pièces, mais en partie, oui. Ah bah oui, j'ai l'armure cloporte. Oui. Mais toi aussi, t'as l'armure lourde avec les fourmis, hein. Avec les coccinelles. Ouais, je vais ranger mon chapeau de magicien pour être plus lourd, peut-être. Ouais, c'est peut-être pas mal. Ça serait bien que j'aie l'agro histoire que tu te changes. Ça va aller. Ça se descend. Elle comprend plus. Je ne vois plus ces animations. Aïe. Ok, je aïe. Change. Aïe. Ah, j'ai plus d'endurance, ça va faire bobo. Aïe. Ouh, ah, ah. J'oublie tout. Elle est bientôt morte. Ouais, ça se descend bien. Ça se fait bien. Ok. Je vais la taper avec le gros bâtonnet. Ah. Allez, qui vit dans un ananas carré dans la mer. Vas-y, ça se descend. Voilà. Bave les poches. Pas mal. Et c'est un bel adversaire. Hein. On s'en était déjà tapé une hors épisode, histoire de farmer un petit peu et de voir quel truc il nous manquait. D'ailleurs, je pense qu'on va looter toute la zone, parce que rappelle-toi, les œufs, ces œufs sont très intéressants. Ah oui. Donc... Je me rappelle. Maintenant que vous me le dites, je me rappelle. Il y a du très très bon stuff, en général, dans ces œufs, avec les petits, là. Même s'ils sont très pénibles, parce qu'ils empoisonnent tous. C'est pas du poison, Ouais, du poison, là, hein. Elles sont costaudes. Aïe. C'est vous. Écoute, j'aime bien. C'est un bon début d'épisode. Ils sont passés maîtres dans l'art de l'improvisation. L'art du divertissement, de l'entertainment.
Je vais mettre mon casque, histoire d'y voir un peu plus. Alors, chélicère de tigre, carapace de cloporte, mandibule de fourmi rouge, fourmi de feu, pardon. Ah, bout de punaise verte. Ouais, mais mon inventaire est déjà plein. Je vais prendre. Ok. Hop. Parfait. Y a-t-il autre chose là-dedans? Il y a une dent, hein, mon indicateur. Ah oui, en effet. S'allume de mille feux. On va défoncer tout le bordel. Merde, c'était toi ça. Hop. Ça se prend. Voilà. Ah, j'y vais à la main, j'en ai rien à foutre. Non, pas du tout. Hop. Voilà. Bien joué. À chaque fois, je tue nos alliés. Nos petits alliés là. Eh, en même temps. On n'a pas besoin de toile là. Toile et moisissure et saleté résistante. Qu'est-ce qu'on s'en fout? La pauvre. La pauvre. Oh, il y en a une encore. Voilà, il va y encore en avoir. Hein. Et là, il y a quoi dans le fond? Il y a rien. Est-ce qu'il y en a d'autres? Des fibres de toile? Non. Ensuite, il faudra remonter. Ok, intéressant. Allez. Bout de punaise. Mais c'est bien, on s'aura fait une vague noire en vidéo. C'est ce qu'il fallait. On s'attendait pas à ça, mais... Oh! On aurait presque pu dire que c'était prévu, mais pas du tout. Ah, elles font mal quand même, hein, mis bout à bout, et puis elles m'ont bien abîmé le stuff. Hein. Moi, de mon côté, ça va à peu près. C'est vrai que j'ai pris des cols. Oh là! Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a du morceau de... Elle est où les dents? Toile d'araignée. Je les ai pas eu les dents. Tu les as eu les dents? La dent? Non. Alors ben effectivement, je la détecte. Ah, elle est là. Je la détecte à force 2. Elle est là. Je suis en face de cette brave molaire. Ah la molaire. Voilà, parfait. Et là, on descend vers le truc qui remonte. Parfait. Voilà. Ok. Tu n'es pas perdu, mon cher? Non, mais écoutez... Très bien. Je me balade. C'est important de se balader. Il faut prendre du plaisir dans la vie, tu sais. On est bien, ça va pouvoir ressortir. Vie de troglodyte, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Ouais, effectivement. T'as bien raison. Alors, elle est où la chaise? Ah oui, elle est là-haut. Retournons à nos chaises. Comment on monte? Via les plantes? Je ne sais plus. Là, il y a l'air d'y avoir un truc qui monte là. Parce que rappelle-toi, on était déjà allé là-haut. Il est où ce garçon? Ah, ces araignées. Attendez, parce que moi je monte le nez en l'air. Ouais, il y a des larves. Rien. Il y a des larves de coccinelles agressives. Ah, ça, de toute façon, on a partout. Hein. Ça, c'est de la belle saloperie. Elles font très mal, hein. Aïe! Ah! Oula! Ah! On n'avait pas prévu de mourir! Soignez-vous! Bon, soignez-vous! Il y en a une déjà. C'est bon. Ah, c'est toi. Voilà! Épine larvaire, il nous faut. Et en plus, elle me crame l'oignon. Ah! Voyons! Ah, pas évident ce début d'épisode, hein? Ah, mais c'est la zone là qui. Ouais. Qui est hostile. Ouais, j'ai l'impression que à chaque épisode, on est la nuit, c'est terrible. Terrible. Et c'est vrai qu'on n'y voit pas grand-chose. Hein. On y voit même pas. Le gamma pendant la nuit, oh là. Le gamma est pas terrible. Comment on était monté? On est déjà monté. Hein. Oui. Ah si, on a dû monter en faisant tout le tour via la zone des termites. Potentiellement. Eh bien, comment vous dire que j'ai absolument la flemme? Ah, moi aussi. Et que je m'en vais de ce pas trouver un autre moyen. Voilà, ça c'est fait. Faites donc. Trouver. C'est bon. T'as trouvé? Je suis. À peu près. Qu'est-ce que veut dire? Je suis à la dernière étape là. Là, je sens que je tiens quelque chose. Tu tiens le bon bout. T'es passé par où? Oh bah écoutez, je vais passer par. Ah, y en a une qui est prévue pour, on dirait. Ah. Je sors le pissenlit. Vous sentez le pissenlit? Comment ça? Quelle drôle d'idée. C'est là, alors... Ah, c'est encore en bas. Et quelle idée aussi.
C'est par. Ah, et puis je récupère le. Ah! Si, là, merci! Alors, je suis pas passé par là exactement. Ici, c'est pas mal pour monter. Aïe! Oh, l'électricité! Ça, c'est pas mal pour monter. Ensuite, là. Ensuite, là. Et ensuite. J'y suis. J'ai trouvé un terrain propice. J'ai trouvé le terrain idéal, mon cher. Tu veux que je te montre? Ah, c'est bon. Ah, c'est bon, voilà. Je suis ici. Ah, non. Alors, c'est il y a la à côté la petite plante là. Petite plante ici. Voilà. Magnifique. Ah, mais où est-elle maintenant cette puce? C'est ce que se demande moult français. Ah, mais là. Le monde entier même. Ah, le monde entier. Mais je la vois pas sur la map. Il y a écrit quoi dans les quêtes? Localiser le scap de Wendell à côté de sa chaise préférée près du hangar. Est-ce que on parle bien de ça ou pas? À côté du hangar, c'est bien le hangar, ça. C'est le hangar, ça, vous pensez? Ah non, c'est le cabanon, mais est-ce que le cabanon, c'est le hangar? De toute façon, il n'y a rien qui ressemble à un hangar, donc... Et il n'y a rien qui ressemble à une chaise, à part cette chaise-là, finalement. Oui. Est-ce qu'elle ne serait pas sur cette table? Parce que la chaise, on y est déjà allé, il n'y a rien. En tout cas, j'y suis déjà allé, il n'y a rien. Par contre, cette chaise, cette table, ce truc, j'y suis jamais allé. Est-ce que ça serait au-dessus? Mais dans ce cas, si c'est au-dessus, comment y accéder? Parce qu'on malheureusement, on n'a pas les papattes de l'araignée. Comprends-tu? C'est quoi cette protubérance, là, ce... C'est quoi, ce truc-là? Là-bas, il y a le vélo. Ah, peut-être. Ah, depuis la chaise, on peut peut-être. Ah, je crois qu'il faut monter sur la batte. Tu vois la batte derrière toi? Oui, c'est une batte, ça. Il faut monter sur la batte avec un A. On monte, et je pense qu'après, on peut potentiellement aller en étant sur la chaise, sur la table. Alors, ma question. Oui. Pourquoi, à quoi servait-elle cette batte? À monter. Non mais à quoi servait-elle à notre cher professeur Tully? Bah, à monter. À monter aussi, très bien, d'accord. En sachant que la puce, c'est peut-être... Enfin, je sais pas si c'est... Ouais, je sais pas. Mais je crois qu'on se pose trop de questions. Moi, mais ça m'intrigue, moi. Peut-être à monter, je ne sais pas. Qu'aurait poussé un vieil homme... Je sais pas, quel âge il a? À jouer avec sa batte? Oui, à s'asseoir sur sa chaise avec une batte de baseball en attendant, comme ça, en ruminant. Peut-être qu'il en avait marre de son enfant. Dès que je le vois, je te jure. Je sais. S'en prendre un coup. Je sais pas. Est-ce qu'on peut monter sur le marteau depuis en bas? Oui, depuis la batte, mais est-ce que depuis la outée, je ne sais pas. Ah si, depuis la feuille, tu dois pouvoir le faire. Je crois que je l'ai déjà fait. Et ensuite, c'est là où il faut, où moi, j'étais bloqué parce que je n'avais pas de I believe I can fly. Voilà, et là, ça va marcher. Et là, logiquement, c'est dans ce bordel. Ah, c'est aussi là où on va pouvoir avoir des bouts d'ongles. Car il y a des bouts d'ongles. J'avais vu que c'était très utile. Attention, hein. Oh. Oh, bah. Oh, mais bah, écoute, je pense qu'il faut que tu refasses tout le chemin. Ah, c'est, ça tombe très bien, j'aime beaucoup le chemin. Écoute, c'est un chemin du plaisir. Pendant qu'on te regarde refaire le chemin, moi je vais me moucher, mais je vais pas faire d'ellipse. Mais je vais quand même me muter, histoire de préserver un petit peu les oreilles sensibles de nos chers interlocuteurs et interlocutrices. Ouais, tu veux pas faire un petit ASMR Je peux. T'as envie? Tu penses qu'ils vont apprécier? Bon allez, on essaye. Vous êtes prêts? Je pense que Discord a censuré. De toute façon, au bout de 10 ans de vidéo, même quand il faut aller aux toilettes, je mute plus. Hein. Au bout d'un moment, tu sais, au début, on est tout calme, tout mignon, élégant, on se vous voit, mais au bout d'un moment, au bout de 10 ans de vidéo, quand t'as... Ouais. T'as plus rien qui... Vous y arrivez cette fois? Oui. Le commentaire depuis le fond des chiottes. C'est ça, exactement. Scam, grand format. Ah bah voilà. Bon, par contre, j'avais vu... Pourquoi cette musique effrayante? Vieux cendrier. Je crois que dans ce vieux cendrier, nous avons des bouts d'ongles qui sont très utiles. Un peu dégueulasse, je le conçois.
Oui, il y a des boudons, c'est ça. Ah, il faut un marteau, méga marteau. Ah, c'est immonde. Oh, ils sont résistants. Ongles d'orteil, ça donne envie. Hein. Ça donne envie de les mâcher. Je sais pas pour toi, mais... Petit bonbon de maïs. Tic de glycémie. Tic de glycémie. Ça fait... Ah ouais, le mec, il se coupait les ongles dans son cendrier. Pourquoi pas, écoute. Mais c'est un jeu d'horreur en fait. Il y a du sang plein, ça. Ah ouais? Un truc, c'est du sang ou de la rouille ou un peu des deux, certainement. C'est peut-être couper un peu trop les ongles, mais bon. S'arracher les dents en fait avec ça. Ça doit être ça. Oh, il y a quoi dans sa pipe? Ah non, rien du tout. Ah, on peut Une pas. bonne pipe de temps en temps, ça fait plaisir, hein. Ah, On apprécie. ouais. Alors. Un connaisseur. Ah oui. Un grand fumeur. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ah, faut la concasser. Ah non, faut l'ouvrir. Hein? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Visible de secours pour Scab. Nous en avons un, mais bon, Ah. on a récupéré ça où? Ben, je sais pas, il nous l'a peut-être Ouh. donné le robot. Activer le scab. On est d'accord, ça va pas enclencher la fin du jeu, je sais pas quoi. Ah si, là vous appuyez, c'est la fin. Après on C'est dit au vrai? revoir, bisous à Supoli. Mais non, mais bien sûr que non. Ah oui, d'accord, j'ai eu peur. Ah. comment on active ce bordel par contre? Je sais pas. Peut-être en le fracassant? Y a-t-il un bouton là-dedans? Un bouton, il y a un bouton. Activer Oui, la puce. ici. Ah. Là. Mise Appuyez. sous tension. Paf. Entrer dans le vide sanitaire sous le cabanon. Données entrantes. Quel est ce bordel là? Au revoir. C'était bien les ongles par contre. Je sais pas à quoi ça va servir. Espèce de fétiche bizarre. Écoute, on va l'écouter, hein. I do not know who you are or how you came by this message, but please tell them I tried. Tell Oh. Trudy, Thor, Ah, la Sarah, Alistair, c'est le charme que tell the t'as en world. partie. Ah oui. The sun is Ce serait donc setting sa petite upon fille. our yard and it brings Ou back son sex so many friend, sa grand-mère. Sa Sitting in grand-mère. this chair, my favorite chair, my thinking chair, I fear this Mais may qu'est-ce be qu'il the a? Il est last malade? time I lay Je eyes sais pas, on mais en tout such cas, il avait une beautiful batte de sight. baseball et ça m'intrigue. I'm nearly out of Vais time. mettre un peu de crème sur le My front en attendant qu'il body parle. shrivels more with each passing day. Even my Ah oui, scabbing can lui, il barely s'arrête fit pas on my de bony ribs. rapetisser en fait. The spacer, my greatest achievement, a disaster, Il a fait un chialer the ce final con. chapter in the book of my many failures. Un bon acteur, Oh. hein. Perhaps in solitude, free from my family, from burgle, from ominent, perhaps I can finally find a cure to this damnable reasoning. So, this will be my last adventure into the Je vais me miniature remoucher, world. tiens. Oh. I leave the warmth of the sun and embrace the unknown. I'll either find the answer or shrivel in the darkness below. To my lab, underneath the shed. This is Dr. Wendell Tully, signing off. Au revoir. Goodbye. Très bien. Bah écoute, il a l'air d'avoir une furieuse diarrhée. En tout cas, c'est ce que j'interprète. J'ai pas fait médecine, mais c'est ce que j'interprète. Non, je sais pas ce qu'il a, hein. Enfin, si, Mais. il rapetisse sans fin, lui, enfin, je crois. Mais. Alors, c'est-à-dire, parce que moi, il y a un truc que je comprends pas dans l'histoire, c'est. Il a réussi à se miniaturiser, puis à regrandir, Ah bon? et du coup, il était. Il est en train de se flétrir parce qu'il y a un problème avec le processus. Ou alors, c'est juste quoi, les ondes ou je sais pas quoi, C'est juste une tête ces de con. Non, mais expériences. je sais pas du tout. Est-ce qu'on va sous le cabanon? Oui, voilà. Maintenant, à partir de là, je sais qu'il faut aller sous le cabanon. Mais alors, par contre, je ne sais pas par où faut passer. Bah, je crois savoir. Je crois que c'est par une zone Ah d'eau. ben, attendez, est-ce qu'on Et ne elle nous est montre indiquée en pas plus par sur là? un... Ouais, c'est Oui, ça. oui. Et moi, j'avais vu que c'était une zone d'eau et ça correspond à ce qu'on voit. Donc, allons-y. Non, mais écoute, je ne sais pas trop, j'ai pas tout compris. Pour moi, il avait juste réussi à être petit, mais pas à regrandir, hein. D'accord, oui. Donc il est Mais. petit et du coup il est en train de se ratatiner. Bah ouais, parce que nous, on est stabilisés, lui, non. Mais qu'est-ce qui fait que nous, on n'est pas. Que nous, on est stabilisés, lui, non? Bah, je ne sais pas.
Beaucoup de questions, peu de réponses. Ça me rappelle les heures sombres de notre histoire. Hein. Oui. Vas-y, allons-y. Ah oui, on peut pas passer. Ah Merci. si, on va pouvoir. Ok. Hop, en avant Guingamp. En sachant que je veux pas qu'on fasse la fin du jeu tout de suite, hein, on a une puce à se faire qu'au niveau du tronc d'arbre. Ce n'est pas la fin du jeu. Comment? Ah bah très bien. Nous avons encore moultes aventures à vivre ensemble. Oh, du saucisson. Oh, c'est bon ça. Éclat de sel, Du on prend sel. balance. Mais royal. Ah bon? Royal. Eh ben. Oh, la nuit tombe. Je vais pouvoir scanner des choses. Ah non, pas du tout. On a une dent et une dent en or, en tout cas moi. Ah oui, il est là avec sa famille, regarde. Je vais mettre mon casque. Oh, un burger de bœuf. What? Éclabousseur. J'arrive Ouais, t'as vu pas là, à récupérer regarde. les petites peluches. Je vais mettre un peu plus loin, mais tu vois, il y a sa famille. Ah! J'ai l'air tout à fait heureux. Bon, par contre, c'est quoi cette. Elle a quoi devant elle, sa fille là? Le sac de Château papa? Moldork. Ah oui, le château Moldork, c'est le château de l'eau là. Qu'il faudra aller voir. Bon, je sais pas ce qu'il raconte, j'ai l'impression qu'il perd la boule, le vieux. Ah là, je peux analyser. Alors. Ah, cuirasse, club de fourmis de feu, cuirasse de fourmis de feu. Ah, pas mal. Et les ongles, ça sert à quoi les ongles? Ah, un cimetière. Oh, intéressant. Tu trouves pas ça intéressant, un cimetière? C'est-à-dire, j'aime beaucoup les armes de destruction aussi, oui. Ah, il fait pas très mal, par contre, une arme sérieuse, rapide et noble, forgée à partir d'ongles d'orteils particulièrement acérés, enveloppés dans les matériaux de luxe comme la corde en ouate et la peau de pupe, avec une arme couverte de fragments de rouille tranchant. Ah ouais, par contre, ils feront 10 ongles d'orteils et des tas de choses, d'accord. Ouais, elle a l'air pas dégueu, hein. Elle a l'air d'être très jolie. Alors, nous avons une recette là, posée sur cette table. Une note détaillant comment exploiter les pouvoirs naturels de réfrigération bonbons à la menthe Ice Caps pour conserver les aliments. Oh! Un frigo! Un frigo à Frigo. bits. Recette gelée. Recette gelée. On voit ça où? Stockage frais. Oh! Mais pourquoi ils n'ont pas donné dès le début ces fils de... Quoi? Pourquoi à la Mais fin attends. du... Pourquoi à la fin du jeu? Ça n'existait pas avant. Bah non, ça n'existait pas. Pot de zob. Jamais. On peut faire des arbres, des vases. C'est bien ça un frigo, mais pourquoi il nous le donne qu'à la fin? Un dispositif stockage conçu pour suspendre la détérioration des aliments. Classique. Mais très bien ça! Excellent dans un jeu de survie avec de la péremption. Génial! Très très bien. Dommage que ce soit une heure de la fin du C'est ça? Oh putain. Est-ce que avant de se faire ça, on va plutôt se faire le off? Alors, c'est-à-dire que Bah, exprimez-vous. en gros, on a une puce à choper dans l'eau. Oui. On a une puce à choper dans le logs, dans la vieille, comment on appelle ça? Un arbre mort là, une souche. Voilà. Oui. Donc on a tout ça à faire qui est du secondaire. Là où on va, c'est pour finir le jeu, même si c'est pas tout de suite, tout de suite. Est-ce qu'on finirait pas le jeu d'une traite dans un prochain épisode? Non, oh là, mais attendez, mais on est loin, hein? Ah ouais? Oui. Ok, bah je vous fais confiance. Et c'est dans ce coin-là aussi où on peut avoir plein de peluches, j'avais lu. Oh, il y a une dent en face, tiens. Ah oui, tiens. Je sais pas comment on y va. Ah, toi, tu te laisses tomber? Non. Ah. C'était pas volontaire, Bon, bah je t'ai mais... suivi. Une dent, il y a une dent, il y a une dent, c'est bon ça. Oui, Bah bon, on peut écoutez, aller de l'autre côté. continuons, je te suis. Ah oui, je comprends pourquoi il y a plein de peluches, c'est que au ciel, il y a plein de laine, de verre ou je sais pas quoi, d'isolation, donc potentiellement de la pluie chaude. Qui c'est qui veut me taper là? Ah oui, c'est le scarabée bite. Alors, le scarabée, est-ce qu'on se le fait? Qu'est-ce que Tu comment t'es ça se fait la passe? dent là? Ah mais il y a de la termite en plus. Ah, il y a 3 milliards de bordel là. Moi, j'essaye de choper Oui. la dent. Hein. Alors, est-ce que ce scarabée ne peut pas péter la gueule aux termites ou éventuellement au cloporte qui est Ah, il y a des là? termites! Ah ouais, là c'est terrible.
On a défoncé l'oignon. Il y a tout ce qui bouge là-dedans, en fait. Tous les êtres vivants. Est-ce qu'il peut pas se taper le cloporte, là? Je pense qu'il y a moyen. Tiens, battez-vous, là. Il y a moyen de déclencher les hostilités. Vas-y, déclenchez. Voilà, roule sur tout le monde. Ah non, pas sur nous, par contre. Roule sur le... Roule sur Scarabée Boeuf, là. Oh, putain. Ah non, le Scarabée Boeuf, il veut mon oignon, hein. Ah bah ça, après, hein. Bon, j'ai assommé tout ce petit monde. Costaud. Ah, il est poil aux pattes, hein. Aïe. Bon, je l'ai calmé, c'est plus simple. Aïe. Mais il m'en veut. Ah, vous en êtes où, vous? Je me fais les termites. Aïe. Et vous vivez votre meilleur défi, là? Ouais, ouais. Il y a un cloporte. Une menace à la fois. Ouais, il faut. Hein. Qu'est-ce qu'il veut, le cloporte? Voilà, ça c'est fait. On va commencer à... Hein. Ah, écoute, je vais lui apprendre la vie. Hein. Un grand coup de zigounette. Vas-y. Allez, descends. Ah, il prend cher, là. Aff, allez, sur le dos. Et comment t'as fait ça? Bah, c'est son animation de... d'étourdissement. Ah. Ouh. Parfait. Alors. Vas-y, il y a plein de choses à récupérer, là. J'ai plein de bordel, moi aussi. Bon, ouais, bah... Hop. On va se faire une poubelle, là. Paf. Ouais. Ça, on s'en fout. Carapace de cloporte. Ah ouais, carapace. Ça, on s'en fout aussi. Qu'est-ce qu'on peut jeter? Araignée loup, je m'en fous. Chéliquaire de tique, je m'en fous. Voilà, ça je prends, ça je prends. Ok, parfait. Et hardcore, ça a l'air d'être du costaud, cette zone. Hein. Oh là-haut, il y a un labo. C'est bien ça. Oh non, il y a encore un truc qui me suit. Oh, il y a Jean-Michel qui me charge là. Bon, attends, on va lui apprendre la vie. Définitivement, hein. Hein. Ces gens n'apprendront jamais. Aucune éducation. Il faut les calmer à coups de salami italien. Voilà. Pourquoi on n'a pas une belle tranche de salami là? Un bon rondin de salami pour se battre. C'est pareil que ça manque. Ça vend du rêve. Voilà. Petit coup, et derrière vous il y a. Mais c'est quoi ce bordel? Ah, c'est les termites. Ah non, elles sont fortes elles. Puis elles abîment beaucoup de stuff. Quel enfer. Ouais, j'avais pas prévu qu'il y ait tout ce petit monde là. Ok. Oh, j'en peux plus, dis donc. Et on aurait dû se faire un lit quand même dans le coin, on est con. Faut toujours penser de quoi se faire un lit. Non. Aïe. Je vous propose là, est-ce qu'on peut faire demi-tour par le truc là? Aïe, mais qui me je tape? Je pense, oui. Acarien ouais. Domestique, ah oui, c'est vrai. On vous laisse lire, hein, les gens, parce que on est un peu occupé. Ce vide sanitaire, ouais, bah, c'est le bordel ton truc, hein. Ouais, faut qu'on... Qu'est-ce qu'il nous fait, lui? Ah, tu t'es mis des dents, c'est ça? Ouais, je pense que j'avais quelques améliorations à faire, mais Tony, d'ailleurs... Quelques dents de retard. Est-ce qu'on peut passer par ici? J'espère, voilà. Ce que je vais faire. Ah. Je vais passer sur le tuyau là-haut. Eh bah attends, un va sortir, l'autre va récupérer les dents. T'es monté comment? C'est un mat de peluche. Je suis monté sur la gauche du... Non. Oh non, ça, il faut pas perdre ça. Je me suis pété la rondelle, hein. Ah bah moi aussi. Très bien. Mais je sais pas comment on monte. Faut que tu me montres. J'arrive. Ouais, comme ça, rangement hein. Brut. J'ai essayé de récupérer les morceaux de peluche qui étaient tombés. Voilà, ici, comme ça, voilà. Par au-dessus, d'accord. Je croyais qu'il y avait le truc qui allait gêner, mais ça va. Bah écoute, est-ce que toi tu vas dehors récupérer du stuff?
Moi je... What? Mais comment on passe après? Ah non, ça va se... D'accord. On va se mettre sur la gauche et s'accroupir. Habile. Ah oui, c'est là où il y a plein de peluches. Ok, je vais essayer d'aller me manger la dent, moi. Ah, j'en ai récupéré deux. Okay. Ouais, t'inquiète, on... Mais c'est vrai que ça va être important à récupérer, mais on fera ça après. T'essayes d'aller dehors. Hop. Oh. Voilà, on est bien. C'est pas mal cette zone, j'aime bien. C'est un peu... Ça sonne un peu hardcore, mais... Ah bah là... Mais j'aime bien ce que je vois. Ah, pas assez de place. Qu'est-ce que je pourrais jeter? Commence à devenir un peu style, oui. Hop. Et moi, je vais chercher de quoi faire un lit. Aïe. Aïe, c'est cela, oui. C'est ça. Moi je vais aller, ouais, un petit lit, ça peut être pas mal, un petit lit vers le labo. Puis je pense que juste après on pourra s'arrêter là pour cet épisode si ça te va. Oh, ah, déjà. Si tu peux si aussi long. Récupérer des pissenlits, parce que j'ai presque plus de vol. Ça devrait se faire. Et je te ferai tout ce que tu veux. Oh, alors ça c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Tout... Ah, mais il y a 3 milliards d'araignées là-dedans. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, d'accord. Ouais, bah en même temps, on est dans les profondeurs du trou de je ne sais qui. Alors, là. Un lit, monsieur, un lit. Ouais, un lit. Un lit, un lit. Au moins, guère plus si ce n'est moins. Un lit. Alors, je suis pas du tout d'accord avec ce que vous dites. Là, voilà. Moi, je vais essayer de nettoyer la zone. Un lit, c'est 5 trèfles et 2 branchettes. Voici 5 trèfles. Ok, oh putain, le coup critique. Là, dans la fif. Je vais tout mis dans la fif, là. Voilà, oh, ça se fait, ça se fait. On commence à être pas dégueu en termes de stuff. Ok, c'est bien ça. Il y a mes petites araignées là qui vont agresser un peu tout ce qui bouge. Telles des bonnes fascistes qu'elles sont. Allez, vas-y. Oh, alors maintenant, un pissenlit. Pissenlit. Pour monsieur. Un pissenlit pour la 12. Un bon pissenlit. Histoire de pas manger justement le pissenlit par la racine. Ça serait pas mal. Une termite. Moi, je récupère du marbre. Il y a plein de marbre. Et ça, c'est délicieux. Mais ce qu'il nous faut, nous, c'est découvrir comment faire le marbre suprême, là. Je pense bientôt, potentiellement, même si, bon... Oui. Évidemment, bientôt. C'est dommage que ça soit au moment de la fin du jeu qu'on obtient plein de choses qui auraient été très utiles dès le middle game. Mais bon, la vie, c'est comme ça, hein. Moi, je vous trouve aigri. Voilà. Oui, je sais, c'est mon côté. C'est mon côté castré. C'est mon côté. Comment on dit? Je ne sais plus. T'as perdu de la pluche, toi. Elle est où la pluche? Ouais, alors elle est tombée. Vous voyez le trou avec. Ouais. Avec moult araignée. Oh, j'en ai là. J'en ai un peu là. Ok. Qu'est-ce que je peux jeter? Saleté. On s'en fout. Oh, qui c'est qui gueule là? On va encore avoir des veuves noires, c'est ça? Oh le bordel, qu'est-ce que c'est que ça? C'est qui fait ce bruit immonde là? J'aime pas ce que je vois. J'aime pas ce que j'entends, j'aime pas ce que je sens. Oh, ça doit être humide dans cette zone. Oh là là, ah non, c'est un cloport. C'est dégueulasse, il fait sombre, il y a plein de trucs qui rampent. J'en frissonne. On dirait ma chambre. Ouais, c'est quasiment... On dirait ce qu'il y a entre mes orteils. Hein. C'est terrible. Ah, il y a une araignée en face de moi. Ah bah... Un peu de mal, lundi. Qu'est-ce qu'elle voulait? Bah alors... Ah oui, d'accord, je n'ai plus de place dans mon inventaire, c'est pour ça que ça ne veut pas sortir mon arme à demain. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle a l'air perdue. Elle a l'air circonspecte. Voilà, bon. Voilà. C'était purement gratuit. Oui, mais elle a pris pour toutes les autres. Ah, un lit, alors. Un lit. Est-ce qu'on... Ouais, Oh bah ici c'est pas mal. Hein. Tu voulais pas le faire en haut vers le labo? Oui, si, on y verra mieux. On y est bien au labo. Et si t'as mon pissenlit, puis après on peut se faire un pouce bleu et s'arrêter là, comme on dit dans le jargon. Allez,
Faisons comme ça. Et enchaîner avec un autre épisode parce qu'on est comme ça. Alors, construction interdite. Ça c'est le problème, ça. Peut-être ça, sur ça le bois. Ça a toujours été un gros problème. C'est trop raide. Elles disent toutes. Elles parlent de quoi, alors, là. Donc, bah écoute. Bah là, c'est mignonnet. La construction interdite, j'ai l'impression que... C'est la zone qui veut ça. Construction interdite, construction interdite, construction interdite. Ah, faut qu'on sorte alors, faut qu'on fasse ça où? Bah tiens, regarde, sortons jusqu'à ce qu'on l'ait. De toute façon, on n'est pas loin de la sortie là, on peut monter via le cab. Ah oui, dis. Bah écoute, on va la faire. Là, c'est toujours interdit? C'est une surface invalide. Oh, elle nous heureusement, en kikine là. Ici, là. Là. C'est non. Là, c'est trop raide. Et ici, il veut bien, ici. Paf. Ouais, c'est pour la porte à côté, mais ça va. Est-ce que tu as un pissenlit, mon cher? Bien sûr. Hop. Il faudrait aussi qu'on trie l'inventaire. Voilà. Oh, merci. Qu'est-ce que t'as pas que j'ai pas que t'as pas que j'ai? Alors moi, je pense que vous pouvez me donner déjà la pluche. Ah oui, la pluche, tiens. Que vous avez récupéré. Est-ce que t'as des trucs de tête de coccinelle, de clopore, de termite? J'ai de la termite, j'ai du cloporte. J'ai pas de coccinelle. Par contre, j'ai de la quartzite et tout. Ouais, prenez du plaisir. Là, tout ce que vous pouvez prendre, prenez-le. Qu'est-ce que vous pouvez avoir d'autre? Ça, peut-être. Ouais, ça, c'est bon. Ça me plaît beaucoup. Ça, c'est scarabée, j'ai. Et sinon, tout le reste, non. Si t'as de l'éclat de marbre robuste, n'hésite pas. Qu'est-ce que t'as d'autre? Est-ce que des morceaux acides, vous en avez? Non. Glande d'acide, tu veux dire? Non. Ah. Des morceaux de bonbons acides. Non, morceaux de glands, ongles, des bombes. Oui, des bombes, j'en ai. Paf, des bombes. Les clanmars suprêmes, j'en avais pas, mais écoute, je prends des bombes. Ah, c'est du marbre robuste que tu avais, ouais, paf. Mais t'inquiète, je prends aussi. Voilà, comme ça, j'ai tout ce qui est marbre. Voilà, après, c'est à peu près tout. C'est déjà pas mal. Bon, on s'arrête là? On s'arrête là. Eh ben écoutez, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à commenter, à vous abonner. Oh, il y a de la pluche là. Oublie pas la pluche ici. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner. On se retrouve très bientôt pour la suite. Nous, on va enchaîner. On va faire un dernier épisode. Et après, ça sera l'heure du... goûter. Bah oui, j'ai faim moi, bordel. J'ai très faim. Bon, sur ce, gros bisous à tous et à bientôt. Bye.